Du haut de ses 94 ans, Lynn Renault vit paisiblement dans sa superbe maison située en région parisienne. C'est sur les hauteurs de Rueil-Malmaison que s'élève la Jonchère, la somptueuse demeure achetée par Lynn et Loulou Gasté en 1949. Pour rien au monde, elle ne quitterait ses maisons, mais victime d'un AVC en 2019, elle a profité de ses 93 jours d'hospitalisation pour régler quelques affaires. J'ai mis sur les rails le fonds de dotation Lynn Renault de Loulou Gasté qui donne annuellement une somme pour un médecin qui fait des avancées dans son domaine, une autre pour le SIDAction bien sûr, et le troisième pour une association, explique-t-elle. Claude Chirac et Muriel Robin prendront la relève de cette association. Mais elle a d'autres projets pour sa magnifique demeure de Rueil-Malmaison. Dans l'idéal, Lynn Renault dit qu'elle rêverait que Danny Boone s'y installe, bien qu'elle ne lui en ait encore jamais parlé. Danny Boone, dit-elle, c'est un amour, c'est un peu le fils que je n'ai pas eu. J'ai même demandé la permission à sa mère.